Kabila, patron, il y a AFC, et provoqué Boucan, journaliste, pro M23, bazo yambaka kabatu ya ngambo mosusu. Fabien Kouswanika, ayaminanga, na émission moko, basayi live, en direct. Nanga lobi makambo na plateau ya Fabien Kouswanika. Vous connaissez les gars. Vous les connaissez. Dès le début, il y a mandat Félix. Fabien Kouswanika atikala jamais koloba malamu ya Tshisekedi. Ayambi nanga na plateau na ye. Mais il s'est dit patriote. Apesi nanga parole. Au nom ya liberté ya expression. Pour nanga a raconté ba baliverne. Na plateau, il y a Fabien Kouswanika. J'ai la vidéo, mais comme je vous l'avais dit une fois ici, et je vais le réitérer encore, que je ne peux pas passer ou faire passer sur Genor TV quelqu'un du M23 pour lancer le message. Même ceux qui a lobby na vidéo, que Nazouana balancé, non, non. Moi, je suis patriote. Na Genor TV, pour na koluka ba vu, kosa la buzz, je ne peux pas le faire. Na kondima, ba vie zalate. Na sa la pe buzz te. Mais na servir moka, comme je l'ai toujours fait. Alors, moi na tcha vidéo wana, ezate. Mais na ya moi, na ko expliquer, moi, na ko expliquer makambo oyo, nanga lobio na ko décrypter, ba propos. Yananga. Nangambo mususu pero luwara. Yepa yambi toujours na live. Ayambi Papi Tamba. Les kabilistes. Papi Tamba ayambi na émission. Papi Tamba pe azana makambo oya lobby. Alors toko mekako décrypter ba propos de quoi na parce que depuis samedi. Papita Babalobi, il est porté disparu. Nous sommes quand même dans un état. Nous sommes dans un état, même étant à Kabila, Papita Babazayo dirigeait le Congo. Ce n'était pas permis à tout le monde de le cas, de tenir le propos dans les médias, de couper sa béquille dans Munguna, mais de déshabiller le gouvernement congolais. C'était pas possible à l'époque de Kabila. Mais bangone ba komi ba donner des leçons les loyo. Mukwege est d'accord pour le dialogue. Martin Fayulu est d'accord pour le dialogue. Delice Sanga est d'accord pour le dialogue. Et Steve côté à pouvoir, Steve Mbikayi est aussi d'accord pour les dialogues. Pour parler, il y a Luanda. J'ai comme l'impression que ils ont un impasse. Ils ont vraiment un impasse. Il n'y a pas une solution pour parler Luanda. Parce que tout ce que nous attendons de ce pour parler, c'est d'abord le retrait du M23. Et la paix durable dans l'Est, c'est tout ce que nous attendons. Ce qui, Tomeka qui ko soutenir Barenyo Wana, c'est parce qu'on espérait qu'on allait avoir la paix durable. Ce n'est pas une paix précaire, non. Nous n'avons pas besoin de la paix précaire dans l'Est. Cette fois-ci, nous avons besoin d'une paix durable. C'est-à-dire, Bandeko ya Est. Bako apeko voa na nakimia, nenye bandeko ba Kongo, nenye bandeko ya Mandaka, bandeko Kisangani, bandeko Mususu, mikolo ne baza pe na pe. Bazo merite peko vanda nakimia. Voilà pourquoi to pesa ki moi crédit mouke, na ba discussion Luanda, bien que moi viso longo, ezanga kite. To banda kota la ngope na musika, to jimele. Men nenge zo kendele, j'ai comme l'impression que les deux parties
sont dans l'impasse. Je ne sais pas comment ça sera. Nous allons vous balancer la vidéo de Martin Fayoulou qui prépare sa descente à Kinshasa le 31 de ce mois ici. Il a lancé l'appel aux Congolais de lui réserver un accueil chaleureux. Et il prône la cohésion nationale. Il a préparé un meeting, toujours côté de Bango, na Sainte-Thérèse, côté à Messana Kosa, la meeting naé, de côté Martin Fayoulou, à Kokuta, na ba Congolais, ba fan naé, ou ba soutena kayepo, ba solola, na vidéo, à l'obique toko solola. Et ça, ma question est belé au Martin Fayoulou a soulevé Nakatia. Il y a vidéos qui feront l'objet de nos analyses dans cette émission. Nasengi na soldat a balancé vidéo il y a Martin Fayoulou. Martin, c'est un opposant non armé. Je vous avais dit ce jour-là que ceux qui sont opposants, oyo bako soutenir Kagamete. Oyo bakoki kozala sima ya M23 T, oyo bakoki ko soutenir Nanga T. Eza Martin Fayoulou, eza Mukwege, eza vienna biso Mozito Fumumpa. Pona bango, nazon di ma vraiment ki bako ko sala ngote. Mais le reste, un sujet à caution. Alors, nasengi na soldat a balancé. Vidéo Yavien Abisso, ma foi, qui fera l'objet de nos analyses au cours de cette émission. Comme ça, nous allons revenir avec des amples détails. Donc, au disséquer, moi, question auto-soulevée na sommaire, il y a émission. Bana Yamboka, Nazago Zonga Namboka, Mokolo, Yaposo, le 31 août, Boya Yamangaï na aéroport. Et bon, tout qu'il y a un meeting, tout solo, la makambo ya mboka. To luka, to zana bo moko, komunisa moninga te, to zala biso nyonso, Congo ekolo moko, ozala na est, ozala na ouest, ozala na nord, ozala na sud, ozala na centre, biso nyonso bana ya Congo. Nzambe, apesa ki biso mboka, wana ya ebitila nango. Mais biso, to bebisa te. Ezala te biso bato to ye, tozui le kumu ya Congo to kabiyango tozui lipanda ya Congo to kabiyango lumumba kasavubu babundi etumba monene banganga nzambe malula mosengo babundi etumba monene bayembi balanga nzembo bayembi banzembo pona Congo ezala nzembo ya Rochero ayebaka Congo a venir tozali wapi lelo yango na toya boya ebele koyamangai libanda ya pepo toke na meeting. Pour tout ce que nous avons dit, Toko Banda Congo ya Sika. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent, et nous régressons. On ne stagne pas, mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'ECID lors de notre congrès à Kisangani, Congo école Moko. Nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, partie prenante, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir et pour qu'on parle du Congo. Qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous.
il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes? Parce que aujourd'hui, les institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Merci. Je crois Bolandi vient à Bissau ma foi. Mais avant d'aborder les sous questions à ma foi, il y a une photo moko et autant Bolana tweet na X ou il y a la tweet et autant mon Facebook un peu partout là-bas tout ça na ba réseaux sociaux bazolu qui la mutamba ba problème ministre na Bissau ya justice dynamique moko et s'est créé dynamique mutamba président en 2028. Mais écoutez, Mutamba Postilaki, pour le moment, il est ministre de la Justice nationale et garde des sceaux. Azo travaille dans le régime, il y a Félix. Kobanda déjà ba makele le wana, ce n'est pas le moment. Botika Mutamba a mis concentré dans le ministère de la Justice. Loko la fatigue quand même, apprécier Moussa Lazosala, a mis concentré à rendre Bissau un bon service. Boti kanan babilo kouana ya, ba Congolais, bo me marabatouka nengwanati, obébise les carrières. Boti ka Mutamba, na ministère ya justice, soki a ko postulé na 2028, a outi ko postulé awa. Problème exacté. Tango toko ma pré, ya ba élection, a ko postulé na ye, Fatia sa déjà demanda na ye, constitutionnellement. Il a fait des mandats. Deuxième mandat en Goyou. Ce que s'il dit, déjà, a épousé le mandat de Nyoso. Otika, Mutamba, Afanda, Nakimia. Bolandi vidéo, il y a vu Nabiso, ma foi. Martin Fayoulou n'a sepeli, dans le langage de Martin Fayoulou. On a comprendre que Martin Fayoulou a comment modéré. Vient Martin Fayoulou à comprendre que, dans le monde, on a demandé un dialogue. Na border question nate nazana nu na question ya cohésion nationale tango Martin Fayoulou aza koluka cohésion nationale alobito kabwanate Martin lobi Congo batikela biso Congo na papa Lumumba Kasavubu babunda kapo na indépendance ya Congo batikela biso Congo uni et indivisible alobi balanga nzembo bayemba poya lingaka mingi nzembo tatana biso tabule Congo Kongo ndemboka wana nzembo o papa vena biso Martin Fayoulou alingaka wana za chanson congolaise une chanson patriotique parce que soko za congolais ozo trahir Congo okoyema nzembo anate je crois que nanga esika zali ba Henri Magie Yannick Tshisola tous ces gars ne peuvent pas chanter ces cantiques parce que tango bazo yembango na ndenge bande ko bazo kufa na est bakoza la liste de conscience na bango et ko reprocher bango ne peut chanter ces cantiques qu'un congolais patriote qui n'a jamais trahi le Congo et qui n'est même pas prêt de trahir le Congo. C'est ce congolais là qui peut chanter ces cantiques. C'est comme Martin Fayoulou. Martin Fayoulou il n'a jamais trahi le Congo na rébellion Kosima Minduki bango na Tshisekedi wana baza batu ya école moko ya papa ya Tshisekedi. Martin Fayoulou alobi Congo o balanga nzembo bayemba banganga nzambe ba defanda Congo Congo o ba politisé ba tata na biso Lumumba Kasavubu batikela biso lelo Congo eza déchiqueté lelo Congo eza divisé il a reconnu ça Martin Fayoulou a prêché la paix la cohésion nationale et l'unité. Je ne vois pas un Congolais, que ce soit celui qui est au pouvoir ou dans l'opposition, condamner ces propos-là. Je ne les vois pas.
Je ne le vois pas parce que biso tout. Nous avons besoin de l'unité. Martin Fayulu apprenait l'unité. Martin Fayulu dit à la fin, nous n'avons qu'un seul mode d'accession au pouvoir. Nous devons nous concerter pour protéger ces modes-là d'accession au pouvoir. Tout éviter, c'est ce qu'il voulait dire. Tout éviter Minduki. Tout éviter rébellion. Kobomaba Congolais Moussoussou, pour nous avoir le pouvoir, nous devons éviter ça. Vieux Maf a quelque part, pourquoi dans le bien à débit, que Vieux Maf a conscience ses ongeliers? Parce que, va comprendre que Ndenge et Zaboye, Soki, to vandi na mesa moko to sololite na ba ver na biso 20 soki to keka na lirwana ko satake na chisekedi na tongo na pokwa to koki ko risque to perdre Congo parce que tango bino bozo satake na chisekedi bozo bimiseka mutu mabe le diable du Congo ba frustré mususu mal intentionné ba obalinga Congo te Bazo profiter na ba propos na binowana bazo rejoindre M23 oza chapoté nananga bazo lo banin ke nanga ne muto zo chapoté M23 bazo tanga kutu kombo M23 te bango bazo tanga AFC landaka langage na bango nyoso il ne parle pas du M23 bato bazo lobela nanga na kacha M23 ezande biso ba clairvoyant mais bande ko nyoso wana il ne vous parle pas en termes du M23. Lorsqu'ils veulent parler de Nanga, ils évoquent l'AFC. Ils veulent dissocier les M23 et l'AFC. Et pourtant, ce sont des mouvements siamois qui ne peuvent pas être dissociés. Les M23 égale AFC. L'AFC égale M23. Tous sont des enfants de Kagame. Alors, ces gens-là ne veulent pas parler de Nanga dans le M23. Non, il parle de Nanga et l'AFC. Mais nous voyons Nanga dans M23. Alors, Martin Fayulu et les autres politiciens là qui veulent maintenant le dialogue. Parce que Martin a dit que les prêtres sont d'accord. C'est qu'ils ont déjà pris langue avec les prêtres. Et donc les prêtres sont d'accord pour le dialogue. Maintenant, ils osent les tons pour demander au régime de Tshisekedi d'accepter le dialogue. Mais moi, je ne suis pas contre la réconciliation, je ne suis pas contre le dialogue, je ne suis pas contre... mais quand même, je dois parler. Je dois parler. Je dois quand même soulever quelques éléments qui peuvent constituer le piège. Est-ce que ce n'est pas parce que ses opposants ont compris que nous sommes trahis par d'autres nations. Soki totiki, Kagame na nanga, bakoki koyati bazu pouvoir. Soki bazu pouvoir, la constitution ici sera déchirée. Toutes les lois de la République seront bafouées, violées intentionnellement. Et Mundukinde est qu'on remplace constitution, Fimbunde qu'on remplace ba loi Moussoussou, ba magistrat ba kozalate, ba juge ba kozalate, ba politicien wana ba kozalate, ba opposant ba kozalate. Et à ce moment, tokozonga lisusu na sima. Ba rebelle so ba zu pouvoir, na kosale la opposition wana wapi. Nga ko militaire te. Ils ont compris que tu as un assiement. Tant mieux, tu as un assiement. Tu as un assiement. Tu continues au lieu de ton assiement. Ils ont compris. Voilà pourquoi, au même moment, Bangonios a sa déclaration il y a dialogue. Bangonios, au même moment, Bayokani pour un dialogue. Bakomi ko prêché cohésion nationale. Ils ont compris que si tu continues à attaquer, tu sais que tu attaques, tu bimiser diable. Bah, moussous, bah, qu'on profite.
ba Congolais ba demi Dakar, ba Congolais ba traître moussous, ba ko profiter, ba rejoindre Nanga, pour nanine, parce que Tshisekedi n'a rien fait. Le quoi bisoune tozo, lo ba yango tozo bimisaï mabe. Tant ba ko rejoindre Nanga, ba ko ko me bele kuna, et souka nango, ou comme on appelle aventure moko salami, tout ça, ba renverser pouvoir, bien que ce n'est pas possible, mais ce qu'on toko sale la opposition wapi. Au lieu de tout perdre, tamien, to solo là. Moi, j'estime que motivation n'a pas bon, parce que nous devons nous poser des questions. Guerre à est bandaki sur côté. Kagama bandaki, guerre au début, kouté mandat, c'est qu'il y a déjà M23 avant d'en intégrer Kuna. Mais pourquoi? Parce qu'il motive de basa voter pour la cohésion nationale. Parce que la déclaration que nous allons tout faire pour te déstabiliser, pour déstabiliser le régime de Fatshi. Moi, j'estime que la motivation serait celle que je viens d'évoquer. Mais, je soutiens l'initiative de vieux Martin Fayoulou. Au lieu, il y a qu'au déplorer qu'à tant que tu as kende na rébellion, tu as mieux tout soutenir, tu as prôné cohésion nationale. Parce que demande la mission Suzaki, tu as le pouvoir, société civile, bah opposant, bah musicien, bah pasteur, bah journaliste. Bisso n'y a soto osé par voie na bisso pour faire l'appel à l'unité, à la cohésion nationale, pour qu'on se mette quand même autour d'une même table, qu'on parle les Congos. Ça, je suis d'accord. Sur le plan de la forme, oui. Maintenant, les fonds maintenant, motivation liboso, et ça, on a aussi évoqué. Yami balé toyebi et pas nabiso. Que ba dialogue nyonso et debouchaka toujours na partage ya pouvoir. Est-ce que vient nabiso Moïse Katumbi à cause la parce qu'il y en a l'obité? Est-ce que Moïse Katumbi a cause la messa? Est-ce que Joseph Kabila a cause la messa? Bon, Joseph n'a noté, mais Moïse Katumbi, est-ce que yé a cause la messa? Parce que c'est Moïse qui chapeaute l'opposition. Est-ce qu'il sera là autour de ces tables? Alors, ce que Moïse a causé à Messa, quand vous aurez à discuter autour des partages des gâteaux, est-ce que Moïse Katumbi aura encore sa part? Les connaissant bien, vers la fin, il y a Manda Tshisekedi. Moïse a causé un bilan, comme il avait fait avec Kabila, il a fait avec Tshisekedi. Et ce qui a koya, ce qui beaucoup partagé, vers la fin mandat, n'est-ce pas que Moïse Kobima, a wang analysé ce bilan, a zo bilan, a tchangon ma PK, y a régime. N'est-ce pas que binonion se o beaucoup mis partagé gâteau, beaucoup lavé ma beaucoup chargé Tshisekedi. Nde ba question, o yo quand même biso ba tout normaux, qui sommes créés à l'image de Dieu Tout-Puissant, le Fils de l'homme. Tozo mituna. Je ne suis pas un ouïste. C'est pas parce que vous êtes d'accord pour les dialogues, parce que les dialogues, sur le plan de la forme, nous sommes africains, nous avons la culture de l'arbre à palabre. C'est pas parce que vous parlez de dialogue que nous allons directement accepter. Non, mais il faut qu'on regarde quand même les contours, qu'on entre au fond, qu'on regarde quand même les éléments constitutifs de cette idée. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas parce que va comprendre que bazape carrière n'a pas repéré un danger? Ce qui toque na nenga soda et azu pouvoir. Et jour ni ni bokozonga lissu na démocratie, jour ni ni lissu sou bokondima élection na Congo, jour ni ni. Parce que l'élection pa na biso ezalaka toujours contesté. Ba résultat ba élection pendant, avant, pendant, après, toujours contesté. N'est-ce pas que ceux qui sont dans Moussoua aient les lois du pouvoir à construire dictature dans Mboka? N'est-ce pas que Bakobo y a élection et celle de Malissoussou? Est-ce que Bisso Bato y a tout le Bakamakamwa, démocratie, élection, tout, tout, tout? Est-ce que nous aurons encore l'occasion? Il y a Kwatake Tshisekedi. Parce que là, il est déjà parti avec sa femme et ses enfants en Europe. Famille Naye, c'est Kimi. Basso Lukisaye, Akenaye. Maintenant, c'est un rebelle qui prend le pouvoir, qui bafoue les lois. Est-ce que vous allez parler encore de la démocratie?
Est-ce que vous aurez le temps d'attaquer Tshisekedi? Tumbuyulu ekozonga na mboka oyu. Les droits et libertés fondamentaux des individus seront supprimés dans la nouvelle constitution. Souvenez-vous du temps de Mouzé en 1997. Ils ont pris le pouvoir. La première des choses, la constitution qui régissait les Zaïre à l'époque a été supprimée. Ils ont pris un acte constitutionnel que le professeur Ambroise Kamukuni considérait comme un acte constitutionnel octroyé parce que ça venait du Rwanda. Ça n'avait pas rencontré la volonté populaire par le référendum. Alors, dans cet acte-là constitutionnel octroyé, Mouzé et ses amis avaient supprimé tous les droits et libertés fondamentaux des Aïrois à l'époque. On pouvait étendre là, bah, papa Mobima, Nami Somosina Bana, Bazo Beta Ofimbu, Tumbuyulu. C'était dans ce pays. Vous avez quand même la liberté d'expression, tu peux parler, attaquer Tshisekedi, tout ça, eh, on ne te touche pas, tout ça. Vous ne voulez pas ça. Bolingi, les réseaux sociaux et Kangama. Kabila Zaikiao, un dictateur, Mouke Mouke, Bakatibiso. Connexion. Bon, on l'a dit. Mais si on a fimbu, na prison, na sim, na massas, pendaison. Congolais, ayaka kosutuka toujours na retard. Tous ces Congolais-là qui soutiennent Nanga, moi j'estime qu'ils sont frappés d'amnésie. Ils ne comprennent pas la dangerosité, la gravité, les dégâts collatéraux des actes perpétrés par Nanga. Ils ne les comprennent pas. Congolais, bazaka batumoko aloyenge. Alors, nos politiciens commencent à revenir au bon sens. Ils commencent maintenant à comprendre que ceux qui ont continué dans l'héroïo, nous serons tous des perdants. Tous des perdants. Tu sais que ça travaille déjà. Il s'est déjà organisé. Il peut partir. Mais vous et nous, ils ont compris. Voilà pourquoi, va comprendre que tu sois attaqué Kagame, tu finis Kagame. To fingi na tongo na ba mukwege na ba fayu le bisonde to finga kayé siko na minute soki Kagame na ba tuné ba ju pouvoir biso to kozala wapi. Nous serons pourchassés. Ils ont compris. Imaginez ce que Aja Martin Fayulu a ken exil, Aja Mukwege a ken exil, Badolf Muzito ba ken exil. Bonjour nini siko ba kozonga les susu ba ya ko postuler awa na élection présidentielle. Vie na biso ngwanda yona personam vie derrière mémoire ngwanda kenda asonga te abano lobela kuna tshuka nango adaye etant yo ko lingozonga déjà okuta génération mususu et c'est imposé. Alors ils ont compris balobi toke na dialogue mais ngai la cohésion nationale je suis d'accord mais dialogue. Nazananu keba keba, je ne suis ni chaud ni froid. Nazolukananu intention nabango. Les éléments constitutifs de cette volonté-là d'aller au dialogue, exprimé par ces politiciens. Je suis en train de voir, parce que les politiciens, ça m'a blagué. Nous, tout ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on organise autour des gâteaux. Bon, nous partager gâteaux, gouvernement d'union nationale et tout ça. Mais ce qu'ils appellent ça, dialogue, il y a qu'au solo là. Parce que, bon, moi je me dis, bon, tout qui n'attend la logique, ce qu'ils ont dialogue, il y a beau vain à mettre ça. Bon, solo li, bon, tu qui n'a nous partage à pouvoir pemben. Là, je suis d'accord. Bon, si nous avons partage à pouvoir, bon, tu pemben. Bon, ministère, bon, gouvernement, bon, tu pemben. Bon, entreprise publique, bon, tu pemben. Bon, établissement public, bon, tu pemben. Bovandi Bolobi, parlons le Congo. Parlons l'agression. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette agression rwandaise? Là, je suis d'accord. Félix, au sens du pouvoir, problème est athée. Bissot, tous les bandes à pouvoir. Ngaï Fayulu, Naboyaki, Naboyukotaki, ba élection. Katumbi bon, Ngaï, Nazaï Nakati. Kabila, Ngaï, Naboyukotaki. Moussous, bon, Ngaï, Nazaï Penakati. Bon, si on a minito, yo gagné déjà, aux en commande. Tous agressés, qu'est-ce que nous devons faire? Tant que nous n'avons pas pour parler, le dialogue à Luanda, le dialogue à Kenya, plus que nous continuons à Biloko, je crois que tous les qui s'attendent, parce que nous avons un village dans l'Est. Il serait mieux,
osériteré na biloko wana mbongo bozana ngo to tchango na armée to supporter banzala to tchambongo na armée to soma minduki to former ba soldat bakende ko bunda to restructurer armée oyazana idée apesa oyazana idée apesa oyazana idée apesa to ke na bitumba yoza la kana pouvoir na gouvernement na yo diriger kaka Toboy makamoko premier ministre auta na opposition aleba na subu bando bendana au lieu na boyo kana po bo agresser bo attaquer munguna kuna bo bandina no ko bendana po na ba compétence po na ba compétence oh il a violé intentionnellement oh non je n'ai pas violé la constitution intentionnellement vous commencez à vous battre autour des conflits de compétences et là Kagame a avancé ça c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que dans le contexte actuel, surtout que dans la logique, il y a gouvernement d'Union nationale. Les conflits de compétences vont encore nous diviser. Donc, si on a une guerre, on a trop dans la politique. Parce que le prof Fayulu, il va protéger le ministre. Le prof Katumbi, il va protéger le ministre. Félix, il va pouvoir protéger le ministre. Le premier ministre, l'équipe, il va protéger. Ça sera comme ça. Et donc, moi, je ne vois pas les choses dans ce sens. En tout cas, si c'est pour ça, je ne suis pas partant. Mais autour d'une même table, je suis d'accord. Pour parler l'agression, vous avez les stratégies. Donnez les stratégies. Au passage, on a mis ça, tout, quatre stratégies. Vous proposez dans le gouvernement. Gouvernement, parce que Makamwa a renforcé la capacité et l'armée Nabiso. Nous tous, nous sommes d'accord. Babylon, pour parler, wana, nous ne sommes pas très chauds. Mais il y a Keba Keba. Parce que nous sommes membres de la structure ébélée africaine. Je suis appelé au conseil Félix. Non, mon cher, il faut ça, la boy, tout ça. Il ne faut pas y aller au bango, c'est normal. Parce qu'il y a un peu de temps, il y a tout ça. Non. Mais il y a la coalition de la Sima Yamutumoko. Je comprends que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que bonne volonté. Il y a que régler le conflit par voie diplomatique. Ce qui est monique simbité à ce moment-là, toke navan militaire. Mais attention, un autre élément. Attention, attention, na batu ya FCC na mesawana. Na yibi ke bakoya te. Soki batu ya FCC bakoya. Bakoya po bazo ba stratégie na bino nyonso bateka yango. C'est ça aussi le problème. Parce que là, on ne sait pas qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. On ne sait pas. Soko boko benga banani. Na émission oyo nanga salina Fabien Kuswanika nanga dit que dans le siège il y a président Félix j'ai mes hommes là-bas il y a des gens qui travaillent pour moi là-bas qui sont avec nous je ne vais pas les citer ici sinon je vais les exposer et je ne vais pas exposer ces alliés là ils travaillent pour moi ils sont avec Tshisekedi. Je suis en contact avec, hier, il y a quelques généraux qui m'ont appelé, qui déplorent la façon dont Tshisekedi gère l'armée. Ça, c'est Nanga qui dit. Vous prenez l'armée d'aujourd'hui, vous la comparez à l'armée d'hier, de Kabila. Vous donnez raison à Nanga. Vous prenez seulement notre armée, l'armée d'aujourd'hui, les FARDC d'aujourd'hui. Vous la comparez à l'armée de Kabila et Nanga. Est-ce que Nanga a raison? Une armée qui était infiltrée jusqu'aux dents. Mais aujourd'hui, nous avons quand même lutté, nous avons lutté, bien qu'il y a des fitoles, ne manquent pas. Ils sont là. Mais quand même, nous luttons pour nettoyer notre armée. Armée, ça quand même déjà, ils en ont mobilisé tout ça. Nous avons un budget pour l'armée. Mais, sous Kabila, est-ce que Boyoka Kibazo Betali Solo, il y a loi de programmation militaire qui prévoit quand même le budget de l'armée? Mais aujourd'hui, il y a la loi de programmation militaire. Et donc, l'armée d'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée d'hier. Mais cette armée, malgré tout ce que nous pouvons dire, moi je dis, nous avons une armée forte. Pourquoi je le dis? Parce que notre armée ne combat pas seulement contre les militaires rwandais. Non. Toutes ces années ici, n'eût été cette armée. Mais Goma serait déjà parti. Bukavu serait parti.
on parlerait de la République de Kivu. Mais c'est grâce à cette armée-là, elle combat contre le Rwanda, contre l'Ouganda, contre le Kenya aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays là-bas. Donc, ma propos, il y a Nanga et ça dissuasif. Nous sommes pendant la guerre. Batounyo Sobalandi, émission Yananga, na Fabien Kouswanika. C'est un langage dissuasif, parce que nous sommes pendant la guerre. Nanga akoki ko ndima défaitité. Tout comme Bishop et ko ndima défaitité. Soko tourne général Tchouéwe, oyambien na émission akoko ndima défaitité. Nanga pe akoko ndima c'est ça la guerre. Donc, ils ont un langage dissuasif, oyo, ils ont qu'à utiliser pendant la guerre. Bisso, tu connais dans un pays de guerre. Nous savons comment ça se passe. Ce que Nanga a dit, je sais que Bafitol Bazali, mais la façon y a l'obéli yango. Oh non, entourage à Félix, nazana batubele, bazana boy, bazana ngai. Non, wana azo lingande ko suye batumususu na siège à Félix. Azo nga collectionna ba congolais faible d'esprit que batutu basi baye déjà na AFC. Non. Batu nyoso baké na AFCT. Non. Je ne vois pas moto déjà Félix à ça promouvoir. Oh yazana ba avantage autour ya Félix, azela kenanga ya zo pouvoir. Tango nanga ko zo pouvoir. Bon siko ba bazana za ba bunana nanga. Yebsanga na nuyo penza Félix à promouvoir yo. Oza conseiller. Oza na cabinet. Siko yo ozo soutenir Nanga. Est-ce que tant Nanga a le pouvoir, Mbalamoko a ko peso ministère parce qu'il soutient qui est ozo na ba rebelle. Alors soki bato na bazali, bazala 2, bazala 3. Oyo baza en connivence na Nanga. Soki ataza moko. Yebela eriangoyo. Yebela parce que soto lokoti yo kaka. Okima kongotam sokoma apatride. Mais moi je crois que Nanga a utilisé le superlatif juste kaka pour décourager les Congolais, pour nako ko intimider ba Congolais, ko intimider Félix, pour Félix amona ke he nazama l'entouré batons déjà nazana bango baza avec Nanga tous alors alongo la bango nyoso. Na kolongola tam soko zong c'est ce qu'on va vrai traître. Non, wan esa langage ya dissuasion. Papi Tambana pero luara Papi Tambalobi Félix a, parce que ba émission na bango mi balé ezaka ba zotou na batu ya côté moko. Félix a lobi. Félix a lobi. Kabila azana FC azana na AFC. Est-ce que ça solo? Bazo lingande bazo formation. Est-ce que mutuloko la Papi Tamba? Akoki kondima ke Kabila azana FCC. Est-ce que mutuloko la Nanga? Akoki kondima ke c'est Kabila qui me soutient. Mais butu na kapé Nanga soki Kagame na soutenir kaiti. Est-ce que Nanga kondima ke Kagame na soutenir nga? Parce qu'il est déjà préparé pour ne pas le citer. Nanga est bien préparé, Nanga a une mission à accomplir au Congo pour ces étrangers là. Nanga ne peut pas citer Kabila. Nanga ne peut pas citer Kagame. Jamais. Parce que Kagame, il a nationalisé les conflits, ses conflits armés. Il a nationalisé ses conflits armés. Le fait de prendre Nanga et le placer au-dessus du M23, c'était pour nationaliser ses conflits. Pour que lui soit épargné des sanctions. Et Nanga, vous croyez que Nanga peut citer Kagame dans ça? Non. Même Kabila, non.